Ouais, petit pote, merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin de ces. Bon, merci à toi d'avoir regardé la infâme. Bref, il y a plein de nouveautés qui sont intéressantes. Je vous invite à aller voir et à tester tout ça. Yo les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre, il y a une nouvelle ville qui est apparue sur Fortnite. Donc on est actuellement en stream, il y a une mise à jour qui vient d'apparaître. Et clairement, on est un peu hype parce que de ce qu'on a vu sur les leaks, etc. Il y a une nouvelle ville en plein milieu de la map. Donc c'est fini, le petit cube et les trucs comme ça. Là maintenant, ça passe en version XXL. Juste avant que la vidéo commence, au passage, je rappelle, je suis en stream tous les jours sur Twitch, lien dans la description. Oublie pas le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement et surtout d'activer la cloche, bien sûr. Oui, le chat, on est d'accord. On n'oublie pas d'activer la cloche quand même. Voilà, et en plus, ils vous disent tous bonjour, ils sont grave chauds. Bref, on part en game, je vous montre tout ça. Let's go. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a les zombies? Moi, je pense qu'il y a des zombies. La mage est utile. Alors, oui, la mage, elle va être clairement utile. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a un nouvel endroit sur la map. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et regardez! Voilà! Et là, j'aime bien. Attends, mais ils ont carrément. Ils ont rajouté plus de que d'habitude, non? Ou non, ça a toujours été comme ça? Vas-y, je suis hype. On va y aller direct. Montre-nous le skin secret. Franchement, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. On va essayer de faire un truc, hein. Et let's go. Et là, on peut voir. Mais oui, on voit de là, en fait. Bon, c'est trop bien. Alors, de ce qu'on a vu, il y a un petit peu. Il y a des petits leaks, etc. De comme quoi, il y avait des bounce pads. On peut directement voler et partir de la map. Enfin, bref. Il y a plein de trucs bien, alors. Ah, j'avoue, il n'y a plus trop d'eau. Où j'ai 0 FPS et il y a toute la map. Quoi? Il n'y a pas d'overreact là. Il y a toute la map. Il y a toute la map, faut spawn sur une arme, vite, vite une arme. Ok, premier kill. Ah! C'est la première game. Ah ouais. Là, il y a vraiment énormément de monde. Il y a vraiment beaucoup trop de monde. Ah ouais, non mais là il y a vraiment beaucoup de monde. C'est quoi le chat? Je m'engage, et même YouTube, je m'engage vraiment. Si on win ce spawn, je réponds à tous les commentaires sur la vidéo, c'est bon? Un par un, je réponds à tout le monde. Ok, premier kill directement de la part du joueur français. Ouais, du shield un petit peu s'il te plaît. Let's go, gros spot. Attends, t'as des boons? Ça sert à quoi ça? J'ai pas de maths. Ah, on est mort. On est mort. Saute. Oh là là, mais c'est impossible. C'est impossible. Ah mais c'est impossible en fait. C'est un, il y a trop de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Alors vous savez quoi? On va spawn à côté et on va push tout le monde après. C'est trop bien. Il y a un nouveau lieu sur la map, let's go. On va refaire une game, on va spawn à côté et on va essayer de faire un truc parce que là c'est la sauce. Et le pire c'est que t'as pas de build. Alors en fait, ce qu'on sait à peu près du spawn, c'est que c'est archi contest. Forcément les premiers jours ça va être vachement contest. Tu peux pas farm, t'as pas de build. Il y a énormément de monde, il y a pas beaucoup d'armes, pas beaucoup de coffres. En vrai je sais pas si c'est worth d'aller directement là-bas, je sais pas. On sait qu'il pue son oncle le spawn. Bah franchement en vrai moi je trouve ça bien parce qu'il y a plein de spots d'armes et tout, ça peut être cool. Mais un spawn directement aller là-bas, je suis pas sûr que ça soit bien. On va aller à la station, après on va les pêcher. En fait le truc c'est qu'ils auront pas de maths les gars. Donc en fait on va juste les tuer au maths. Avec les maths c'est tout. Il y a un lama en plus. Oh là là, cette luck. Reviens mon ref. Mais je suis clairement mort en fait. Je suis clairement mort le chat, j'ai un HP. J'ai pas d'huile blanche, j'ai rien. Y'a des splashs. Même pas, c'est des murs blindés. Y'a un balai! Attendez, y'a vraiment un balai! Mais c'est incroyable! Let's go! Bah attends, mais c'est beaucoup trop bien. On en parle pas assez, mais c'est insane. Un balai sur le jeu. Donc là, on a le balai de retour. Plus la nouvelle map qu'on va aller visiter en 2-2. Juste, j'ai un HP, faut que je farme un peu. Il vient de se passer quoi? Ok chill, on farm tranquille. Elle est trop forte cette arme. Ouais, la cadence elle est incroyable hein. Donc on a un balai, la nouvelle map, l'arme là, bon elle est là depuis la semaine dernière mais elle est vraiment trop forte.
C'est quoi la boule jaune en haut de la ville? Et bah justement on va aller voir tout ça. En fait ça c'est le boss ultime le chat. C'est le gardien de cette zone. Et faut qu'on le pète. À ce qui paraît, il donne énormément de stuff, de trucs comme ça. Allez regardez, y'a un mec là-haut. Ah y'a un mec là-haut. Ok. Attends, il casse. J'arrive mon ref. What? Attends, faut qu'on trouve un moyen de monter. Attends, il est vraiment mort de chute. Faut qu'on trouve. Elle est bien la nuit. Franchement, la nuit, elle est incroyable. Mais en fait, il y a le balai maintenant. Attends, faut qu'on fasse ça. Oh non, on est passé au-dessus. What? Mais il y a moyen de... Attends, le chat, faut... je vous jure, il y a moyen... Il y a moyen de casser, je sais pas. Ok. Ok. Attends, est-ce qu'on va peut-être... Non, c'est un truc de ouf. Attends, imaginez, il y a des spaces. Ça se casse, non? Est-ce que ça se casse ou pas? Eh, ça a pas l'air de se casser, hein. Viens m'aider. Mais comment on fait pour enlever ça? Mais moi je pensais qu'en fait quand on le tuait ça allait avoir un gros butin. Donc c'est quoi l'arme? Attends mais on peut faire un place de ouf là. On a le lance-roquette en citrouille aussi. Oh là là, let's go. Mais il y a tellement, en fait il y a eu tellement de nouveaux trucs. Genre après en MM je joue pas trop. C'est plaisant de rejouer je trouve. Le chat Willvan sera de ouf. Ça c'est cadeau ça. Ça c'est... Et encore ça aurait été mieux si on était plus haut. Mais vas-y. Elle est pas mal. Tire dans la boule ou RPG. Attendez, imaginez ça fait un truc. Peut-être. Ça a rien fait du tout. Alors la mage, franchement elle est trop bien hein. Genre y'a plein de changements, moi je suis content avec la map etc. Oh oh wesh. Je l'ai arraché. C'est quoi ça? Non. Ah mais c'est l'info. Mais elle est trop forte. C'est quoi ça? Ah ouais. Ouais c'est un autre monde. Au passage je rappelle les petits potes, mais n'hésitez pas à mettre le code créateur STIZO dans la boutique. Ça soutient. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si t'es là, écoute, dans les commentaires, tu mets du tractopel en balle. Sache que je suis en live tous les jours sur Twitch. Regardez, tout le monde vous dit bonjour en plus. Tout le monde vous dit de venir. C'est le feu, on s'amuse bien en plus. Donc le lien dans la description comme d'hab. Et donc ouais, on en fait un petit récap un petit peu. Donc un nouveau lieu sur la map. Il y a un super boss que pour le moment, on n'a pas réussi à le casser. C'est un peu compliqué. Il y a le retour du balai. La nouvelle arme qui était dispo la semaine dernière, franchement, elle est trop forte. Il y a plein de nouveautés qui sont intéressantes. Et je vous invite à tester tout ça. Franchement, c'est le feu. Et voilà, ça balance du coucou YouTube. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était STIZO. Passez une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit. Je sais pas comment vous regardez cette vidéo. Ciao !